Bonjour, ici Françoise et aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer Pulle Marine d'Isabelle Adjani. Alors, comme pour les autres tutos, je vais le scinder en plusieurs parties, avec dans la première partie une explication de la main droite, donc chaque note à jouer par la main droite. Dans la deuxième partie, les notes à jouer par la main gauche, en commençant simplement par la note basse de chaque accord pour les débutants, puis avec des accords arpégés pour les moins débutants. Et finalement, une troisième partie pour les niveaux intermédiaires où je vais rajouter des accords à jouer par la main droite. Pour débuter le morceau, on a ici le do du milieu du clavier sur lequel on va placer le deuxième doigt. Le pouce tombe sur le sol plus bas que le do du milieu. Le troisième doigt sur le ré, le quatrième sur le mi, le cinquième sur le fa. Le morceau commence par un mi. Le premier enchaînement est mi, sol, do, ré, mi, fa, mi. Au niveau du rythme, on attend un tout petit peu sur le fa avant de faire le dernier mi. Ensuite, on refait le même enchaînement. Ici, il faut terminer avec un sol. Si vous êtes rapide, vous pouvez sauter avec le cinquième doigt. Ceci dit, le doigté correct, ce serait plutôt de faire un passage de pouce, donc comme ceci. Quand on est avec le troisième doigt sur le ré, on passe le pouce en dessous pour le mettre sur le mi. Comme ceci, non? Mi, sol, do, ré. Je passe le pouce. Et j'arrive avec le troisième doigt sur le fa. Pourquoi le troisième, pas le deuxième, ni le quatrième? Parce que dans l'accord suivant, on aura un si à jouer avec le pouce et on va devoir aussi jouer le la. Donc, en fait, l'accord suivant, on a si, mi, fa dièse, sol et la à jouer. Donc, on va placer le troisième doigt sur le fa et le quatrième sur le sol. Donc, comme ceci, donc si, mi, sol, ré, je passe le pouce sur le mi, le troisième sur le fa et le quatrième sur le sol. Là, je suis libre maintenant d'écarter ma main pour arriver avec le pouce sur le si. Position suivante, si avec le pouce, le mi avec le deuxième doigt, fa dièse avec le troisième doigt, le quatrième doigt sur le sol et le cinquième sur le la. Et on revient sur le sol. Donc, si, mi, fa, sol, la, sol. Je reprends depuis le début. Une deuxième fois. Quand je fais le sol, j'avance ma main pour passer le pouce sur le si bémol. Je recule les autres doigts avec le deuxième sur le ré, ré, le troisième sur le mi, le quatrième sur le fa, le cinquième sur le sol, et je reviens avec le quatrième sur le fa. Une deuxième fois. Je reprends depuis le début. Ici, sol, mi, ré, mi. Au niveau du rythme, pour les intonations, je vais accentuer.
Alors cet enchaînement-là, vous le faites deux fois, parce qu'on commence par deux couplets, puis on a le refrain. Si on déplace la main plus à droite, en plaçant le quatrième doigt sur le Do et le pouce sur le Mi. Attention, c'est le Do du milieu du clavier est toujours ici, donc c'est un octave plus haut. Do, Mi, La, Si, Do, Ré, Do. On glisse vers la gauche en plaçant le quatrième doigt sur le Sol et le premier sur le Si. Attention, Fa dièse ici. Le pouce sur le Si, le deuxième doigt sur le Mi, le troisième sur le Fa dièse, le quatrième sur le Sol, le cinquième sur le La. Donc Sol, Si, Mi, Fa, Sol, La, Sol. En fait, pour tout le morceau, à chaque fois, on fait le premier doigt, 2, 3, 4, 5, on attend un peu et on revient sur le 4. Simplement, on déplace la main et on refait le même motif. Donc Sol, ici, on revient vers la droite, on place le pouce sur le Fa. Attention, ici, une petite difficulté. Donc, le pouce sur le Fa, le deuxième doigt sur le Sol dièse, le troisième sur le La dièse, ou bien La bémol et Si bémol, le quatrième sur le Do, le cinquième sur le Ré. Toujours le même enchaînement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 4. On garde la même position pour terminer avec Si, La, Sol, donc 3, 2, 1. Je répète le refrain. Do, Mi, La, Si, Do, Ré, Do. Sol, Si, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Do, Fa, La, Si, Do, Ré, Do. Si, La, Sol. Au niveau du rythme. Au niveau des intonations. Là, c'est sur le Do. Ici, sur le Sol. Ici sur le Do. Et sur le Sol final. Revoyons ensemble toute la main droite. Voici donc pour la première partie. Donc la partie suivante, maintenant on va voir les notes à jouer par la main gauche. À tout de suite.